habituellement c'est un orchestre d'harmonie, mais là ça sonne un petit peu différemment du fait que ce soit arrangé par Emily, qui est jazzman. Puis on a en première partie, on fait des morceaux tous avec des rythmiques, ce qu'on appelle jazz funky un peu, donc des morceaux assez latins, assez binaires. Donc il y a des grands tubes de ce style de jazz. C'est important aussi comme ça. Hein. Je pense que quand Elena va rentrer sur scène, les gens vont avoir, voilà, ils vont sentir quelque chose de nouveau, ils vont être en territoire connu, puis la musique qu'ils auront entendue avant va les préparer un peu à rentrer dans cette ambiance-là et puis d'apprécier encore mieux peut-être la musique de Michael Jackson après, bien sûr. Même dans les tonalités de Michael Jackson, on a la chance que Elena puisse chanter dans ces tonalités-là. C'est très très aigu. Donc, ce qui est dur avec Michael Jackson, c'est que ça va être très grave. C'est un bon travail, un plaisir. Les chansons de Michael Jackson, on est très proche des originaux. Mais en même temps, l'orchestration elle est très très différente, donc ça oblige à adapter les choses. C'est les couleurs qui changent. Remarquable avec Michael Jackson, c'est que ça touche tout le monde. Les très jeunes enfants, ils sont vite accro, ils connaissent, ils ont les mélodies, ils les ont en tête très vite. Et puis, les gens de la génération de Michael Jackson, évidemment, c'est incontournable. Et puis même les personnes âgées, en fait, quand ils entendent ce genre de musique, il y en a plein qui aiment beaucoup, qui aiment bien, qui accrochent aussi parce qu'il y a une énergie.